Dieu, Yon soit c'est ton papa. Quel est ce problème que tu peux pas lui expliquer? Quel est ce péché qui dérange que tu n'es pas capable de dire à Jésus? Quelle est cette accusation qui te ronge la conscience? Alors libère-toi, confie-toi en Jésus et ne laisse pas le diable t'accuser. Parce que Dieu n'est pas un juge derrière nous, prêt à nous condamner à mort, mais plutôt un père qui veut que ses enfants se confient en lui. Oh 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 oh. J'ai été dans le monde, mais je ne traîne pas avec moi ce regrettable passé. Alors loin de moi Satan, car Jésus est mort à la croix pour moi. C'est vrai, il est puissant, redoutable, feu du courant, mais c'est pas pour nous détruire, c'est pour nous protéger. Les dents que le lion prend pour déchirer sa proie, c'est avec ses mêmes dents qu'il joue avec ses enfants. Alors pourquoi tu as peur? Confie-toi en Jésus, c'est pour ça il est mort à la croix pour toi. Tu t'accuses jour et nuit, tu préfères rester dans ça. Ina Oniemabo, oh mon même Dieu. Est-ce que le roi David n'a dit jamais péché? Mais pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur? C'est parce qu'il reconnaît toujours ses erreurs. Il regrette ses fautes et il pleure. Il n'a jamais cherché à se justifier. Il demande toujours pardon quand il est en erreur. Jésus, mon même Dieu, oh mon même Dieu. On est ma beau, oh mon même Dieu. Ce n'est pas parce que tu vis bien que tu es sauvé. On est ma beau, oh mon même Dieu. Mais c'est parce que Jésus s'est sacrifié. Si tu cherches toujours à te justifier, tu vas jamais te relever de ta chute. Si tu penses toujours que ce sont les autres qui sont la cause de tes problèmes, tu pourras jamais, jamais te relever. Prends ton courage à deux mains et dis ce que tu as fait à ton père. Il n'est pas derrière toi pour te condamner, mais plutôt pour te délivrer. Alors libère-toi. On y est, on y est, on y est. On y est, on y est, on y est, on y est. On y est, on y est, on y est. On y est, ma beau, pas mon même Dieu. On y est, ma beau, pas mon même Dieu. Judas a trahi Jésus en le livrant à cause de 30 pièces d'argent. Jésus en le reniant trois fois, quelle est la différence? Trahison c'est trahison, mais Judas s'est donné la mort parce qu'il n'a pas compris que Jésus avait le pouvoir de lui pardonner son péché. Mais Pierre qui a compris, qui a pleuré amèrement, qui a demandé pardon, Jésus l'a pardonné, il a bâti sur Pierre. Tant que tu n'as pas ouvert ta bouche pour reconnaître tes erreurs, tu resteras toujours là en train d'accuser les autres. Ça sera toujours les autres qui sont la cause de tes problèmes. Tu vas jamais te relever de ta chute. La chute est naturelle, elle porte conseil. Ce qui ne te tue pas te rend encore plus fort. Mais confie-toi toujours en Jésus, c'est le seul qui est ton confident. Vous savez comment il dit vos sous-noirs. Vous savez comment il y a mon sous-noir. On y est ma